Salut tout le monde. Alors je vous propose une petite série d'un stage qu'on a fait il y a quelques années pour voir un peu comment se passe un stage de running et puis voir un peu une vie de groupe sur 5 jours. Je vous dis bon visionnage, à très bientôt et profitez-en bien. C'est la transition de la saison hivernale vers la saison estivale. L'entraînement se transforme un peu légèrement pour ceux qui passent sur la piste, éventuellement le trail et la route. Ce centre-là, l'avantage qu'il présente, c'est qu'il répond vraiment à tous les besoins d'éventuellement des coureurs vers cette transition. On a la piste d'athlétisme, donc pour tous ceux qui sont plutôt férus de piste, donc 800, 1500, 3000, 5000 et tout, bon, on a ce qu'il faut. On a des chemins en nature pour travailler, faire des rappels éventuellement d'endurance, donc c'est très intéressant. Le petit plus en fait de ce centre-là, c'est qu'on a quand même des chalets en fait indépendants avec tout ce qu'il faut pour pouvoir être en autonomie. On a une salle de musculation assez moderne et bien sûr, pour la récupération, il y a la balnéo et le sauna. Donc, qui est un petit plus quand même très intéressant et non négligeable vu la quantité de travail qu'ont fourni les athlètes sur cette semaine. Voilà. Voilà. Après, moi, je peux mettre un sac. Un petit mot, ouais. Parti où? En stage, mais où, je sais pas. Là, ça révise. Ouais, non, devant. Il y a un accident là, Tozosauri, c'est Julie Basso qui conduit. T'es venu pour quoi cette semaine? Pour courir, pour m'entraîner, pour ma carrière. Non, je rigole. Non. Est-ce que tu peux me le décaler, c'est bien, juste un peu plus loin. Bon, Thomas, on est bien installé. Par terre là? Ouais, carrément. Chaud pour le footing. Chaud pour le footing, tranquillement, débarbissement. Donc là, c'est quoi le programme en fait? En cette première journée, footing 40 minutes, on délie un peu les guiboles tranquillement. Après, on se fait un petit peu de technique de course, bon, histoire de délier un peu les pattes. Bien. Un petit peu de gainage abdos, hein, pour voir un peu ce que vous avez dans le ventre. Pas trop quand même. Juste ce qu'il faut. Parce qu'il faut se laisser un peu le temps pour le franc-balle, bien sûr. Hein. On va caresser le cuir. Ah. Le plus important, ça, c'est la séance. Dans la séance, c'est la balnéo. Sonahamam. Et un peu de shakuzai. Kolos. Alors on monte bien la pointe de pied, hein, pied flex hein, quand on griffe. Hein. Allez, on va chercher, on tracte la poulet. C'est l'avant du pied. Hein. On tracte un peu plus la poulet, on va un peu plus loin. Ah, c'est bien, c'est bien. Moi je vais en filmer un seul là qui est sérieux depuis tout à l'heure. Il y en a un qui veut réussir. Il y en a, il est pas là pour rigoler. C'est Théo. Théo, petit souris.
je pense pas avoir tout perdu, tu vois, je fais une semaine de stage. Sonna Hammam. Ah ouais, mais là, on est des masterchefs.